Bon les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Aujourd'hui, la candidate emblématique de télé-réalité Maëva Guénan nous parle des harcèlements dans le travail, d'où elle raconte son passé à ce sujet. Et la plupart du temps, un employé licencié s'est plaint du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Selon lui, l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement invalide pour harcèlement moral n'exclut pas une demande distincte de dommages-intérêts pour le préjudice causé par un acte de harcèlement moral, et du coup la législation spécifique au harcèlement moral est le principe d'indemnisation intégrale, mais aussi il est bon de savoir que la Cour suprême a accueilli les moyens d'appel du salarié, et a reconnu que l'indemnité de licenciement pour harcèlement moral était invalide.